Et pour valider la première partie de la pré-saison, on a travaillé pendant 10 jours sur le thème de l'attaque et puis avoir ce stage de cohésion qui allait nous faire changer un peu d'air et surtout vraiment valider 12 bons jours de travail avant d'entamer un nouveau cycle. On a voulu venir ici parce que cette année, le pic du Midi qui est notre emblème, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie, c'est un peu notre fil rouge, notre thème de la saison. Et le fait de venir au plus près de lui et de s'imprégner de ce qu'il représente, notamment pour les nouveaux et ceux qui ne sont pas d'ici, on pensait que c'était le bon moment et la bonne opportunité. Ouais, je crois qu'il y avait dès le début une volonté de se rapprocher du territoire, justement du Béarn, et avec un nouveau staff, un nouveau projet de réancrer le club et l'équipe dans son territoire, dans le Béarn. Donc voilà, après c'est une idée de Gauthier de venir par ici, mais... Bon, ça fait 2 jours de belle randonnée, on a été dans un endroit vraiment où on était seul, perdu, on a découvert un petit peu ce coin-là des Pyrénées, c'était très chouette. Difficile, chouette, authentique et un peu rude, puisque hier on a eu des conditions un peu difficiles, mais bon, c'est ce qu'on recherche aussi à travers ce qu'on veut mettre en place. On a passé des bons moments de cohésion, ça nous a tous soudés. Et puis, pour savoir où on veut aller, c'est important de savoir d'où on vient aussi. C'est une phrase un peu bateau, mais je pense qu'elle a pris tout son sens pendant ces 2 jours. Par exemple, la soirée qu'on a passée hier soir avec l'Olympico Salois, c'est une fierté aussi de partager avec les autres voilà ce dans quoi on a baigné, ce que sont nos valeurs, ce qu'est notre territoire et ce que nous on est en tant que Béarnais et comment on s'est construit grâce à ce patrimoine-là. Ici, c'est une fierté de partager ça avec ceux qui viennent de l'extérieur et qu'ils puissent aussi s'imprégner de ça et qu'on essaye de le porter haut en couleur toute la saison. Pas le seul à être du coin, mais c'est toujours plaisant de voir que les autres s'approprient le territoire et ont pris goût à ces balades, à ces randonnées et un petit peu à l'exercice physique que ça représente, mais aussi au bonheur quand on voit les paysages, les cascades, les lacs. Là on va faire le petit train, voilà, c'est des super moments qui créent un groupe et qui, j'espère, nous aidera pour la saison. Ouais, très chouette, très très joli. Bon, dommage qu'on ait eu un peu la pluie, le brouillard, mais non, différent des Alpes, différent de mes montagnes de Savoie, mais très joli. Puis le faire à 60, c'était l'expédition, c'était rigolo. Et puis on a bavé un petit peu ensemble. Voilà. Staff, joueurs, on était tous ensemble. On a passé un super moment.